monde qui dans l'église qui pas qu'à faire choix ça un choix aussi clair mais pour des raisons ou d'autres que nous pas donc mais tout le monde qui a regardé élection ça il dit que ou bien deux mal devant l'organ deux mal devant on pas parler de pi bon qui est-ce qui pi bon bah qui est-ce qui pi bon c'est dans tête ou li pas gagne monde qui pi bon là dans l'élection ça mais gagne qui pi mal ça ou dit gagne qui pi mal en fonction maintenant de qui ça? C'est pas en fonction de caractère personnel de qui mon lié, mais c'est en fonction de qui ça la promouvoir dans la société. En fonction de qui loi va passer dans la société. Et en fonction de vous-même qui chrétien, en fonction de ça ou dit ou quoi là dedans. Maintenant, this is the briefing, an analysis of current events from a Christian worldview. Que nous paix pour ça Trump dit comme si que lui capable et voyer mon en Haïti. Nous pas un problème pour nous dire nous pas voter monsieur. Nous pas le voter Kamala parce que Kamala pas dit la voyer nous en Haïti. Tandis que tout ça Kamala a promouvoir est totalement opposé à ça ou même quoi. Tout ça Kamala a poussé dans la société a est totalement opposé à ça ou même on dit ou quoi chaque dimanche on parler en peu là. Tout ça Parti démocrate là dans sens ça ou bien Kamala a poussé tout ça, Kamala a dit, yo totalement contraire à ce que dit la Bible. Or, ou dit mon chrétien, ou vin mon dilemme là, capitaine ou là, papa, dans l'élection ça. Maintenant, ma bon hête, comment on approche le dilemme ça? Mais hête là, t'as bien, ça va passer là. Immigrant. Good afternoon, everyone. I hope you're doing best. This is your friend Emlet Isma. As you know already, it's a briefing, an analysis of current events from a Christian worldview. Well, comme nous connaissons déjà, guys, semaine ça là, c'est semaine d'élection que lié. Maintenant, ça qu'on discute là, guys, c'est que ça qu'on discute là, c'est que vous avez deux candidats, comme vous connaissez déjà, Kamala Harris avec Donald J. Trump. Je dis à la ma plus focus analyse moyen sur une perspective chrétienne. Et non seulement une perspective chrétienne, mais c'est aussi sur une audience chrétienne que ma focus analyse. Parce que je trouvais que une audience qui a plus de problèmes qu'on y a là, ou bien qui est en confusion qu'on y a là, dans la question de choix. Est-ce que c'est monsieur qui a choisi ou bien est-ce que c'est madame qui a choisi? Je trouvais que c'est audience. Et chrétien, hein? Monde qui dans l'église qui pas qu'à faire choix ça, un choix aussi clair. Mais pour des raisons ou d'autres que nous pas maîtriser, il va pas faire choix. On va aller plus loin, même montrer une vidéo ancien président français, hein? Nicolas Sarkozy fait en déclaration que monsieur fait là tout récemment, ça m'a encore gagné un peu le jour. Et dans la déclaration, ça, monsieur mettait campé, hein, le nom de Jésus-Christ, l'ancien président français. Monsieur m'a fait comprendre que il faut regarder la vidéo plutôt pour capable de quoi il s'agit. Tous les mois, nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non, mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœux exaucés. Jésus. C'est parfait, c'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racine, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, l'ancien, je fais le dîner seul avec lui.
Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités. Moi, je garde Jésus. This is the briefing. An analysis of current events from a Christian worldview. Mais les amis, je suis regardé là, Nicolas Sarkozy pas fait ni route pas bois, pas chercher ni 3 ni midi à 14h, il dit exactement ça le Dieu dit. À savoir s'il si on table que l'a fait, on table dîner que l'a fait, il va aucun monde lui besoin inviter encore sauf Jésus-Christ. Parce que lui-même pour lui-même et son bagage qui est évident. Jésus-Christ marquait l'histoire. Jésus-Christ changeait, on dit comme ça plutôt, bouleverser l'histoire. D'ailleurs, avec naissance, il a changé l'ordre historique là. Et que, ou capable de garder tout l'autre monde pour lui-même, il a seulement besoin de Jésus-Christ dans le tablier. Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Monsieur pourrait aller plus loin encore pour le défendre. Position historique de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à présent, on a des gens qui sont motivés pour dire par une fausse passion et puis qui n'est pas d'accord pour garder l'histoire en face. Parce qu'on doit vouloir un bagage, mais ce n'est pas ça la réalité a dit. On doit vouloir croire un bagage, mais ce n'est pas ça la réalité a dit. C'est ça que les faits. Donc, dans les faits historiques, Nicolas Sarkozy est obligé de rappeler pour toute audience que même si vous avez proposé à te ou pas croire dans Jésus-Christ, etc., quand vous voulez ou pas vous voulez, il existe. C'est comme monde que le Jésus-Christ qui était marché à Palestine il y a plus de 2000 ans de cela. Et l'autre fait que Nicolas Sarkozy pour ajouter, m'étonner, monsieur très versé dans le sens, m'étonner, Nicolas Sarkozy pour parler de ça que les The Sword of Turin, ou bien le linceul de Turin, ou bien quelqu'un qui dit la toile de Turin. Turin, c'est une ville en Italie. Donc, le linceul de Turin, ou bien toile de Turin, c'est une toile qui a une photo à trois dimensions sous l'île. Donc, une photo à trois dimensions, ça veut dire tout bayou. Une photo à trois dimensions sous l'île. Côté que tout comme on a dessiné dans la toile, là, il y a une photo paraître. Photo, ça, c'est un garçon de taille moyenne, tout col bien paraît sur photo a, sauf que il y aurait sang qui coulait, sauf que il y aurait max sang qui coulait, sauf que il a constaté un clou qui percé mais un clou qui percé hanche, un clou qui percé mais qui percé pied, et puis tout col flagelé avec blessure et puis sang et tout dans toile là. Mes amis, toile ça, son toile que vous découvrez depuis des siècles. Et toile ça, vous avez découvert à Turin. Et là, on fait effet carbone, non, puis on connaît qui date toile ça. Vous jouez que il correspond plus ou moins à un date qui remontait à 2000 ans. Maintenant, les cas fait histoire, Nouveau Testament, les cas fouillé Bible, cas fouillé archéologie, vous venez comprendre que caractéristiques que vous gardez dans la toile, ça là, ils correspondent exactement avec ça l'évangile, racontez-nous. Ils correspondent exactement avec ça, vous dites-nous de Christ. Ils correspondent exactement avec toute douleur que vous avez subi dans le corps. Malgré, vous avez toujours des sceptiques qui mettaient un gros point d'interrogation pour dire que, well, ou quoi c'est pas une photo que Picasso t'a dû faire, ou bien bah, on est, l'autre grand-père italien t'a dû faire pour mettre la cachée. Mesdames, messieurs, attendez ça bien. Ou quand investiguer ça pour peut-être pas. Mesdames, messieurs, attendez ça bien. Ou quand investiguer ça pour peut-être pas. Niveau photo qui fait sur toile là, artiste pas qu'à peindre. C'est pour peinture que lié d'ailleurs. Attendez bien, c'est pour peinture que lié. Et même si vous avez dit son selfie que lié, parce que nous avons selfie qu'on y a là, mais technologie du premier siècle là, pour le démentir ou pour le dire que pas pourquoi un selfie qui existait à l'époque. Donc,
question selfie à Robin dit etc. Son bail technologique qui fait etc. pour bail monde pour tromper monde ou dans mentir à tête parce que au premier siècle l'étoile ça a été sorti ou bien et qui date de l'âge toile ça au premier siècle qui date l'âge toile ça gagne pas pourquoi qu'une technologie peut te faire aucun imprimer en photo dans niveau ça sur une toile. Donc la toile de Turin, mesdames et messieurs, tout nèg sérieux en archéologie, tout nèg qui a fouillé Bible, qui a fouillé histoire biblique là, l'arrivée sur toile de Turin, qu'est-ce que c'est athée, qu'est-ce que c'est sceptique, qu'est-ce que c'est croyant, ils ont tous joigné autour de dénominateur ça, que toile ça, son toile réellement qui traduit ou bien qui reflétait un événement qui était passé. This is the briefing, an analysis of current events. From a Christian worldview. Et pour nous autres qui connaissons déjà, nous connaissons que probablement, nous connaissons que probablement, toi ça, c'est toi ça qui t'es couvri corps Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Nicolas Sarkozy fait rappel ça à audience que tu as parlé avec là pour montrer que qu'on voulait, qu'on parle, que l'on croit ou que l'on croit pas, que l'on croit ou pas, le Christ existe bien et Jésus-Christ, c'est le seul monde que tu as aimé rencontrer. Et maintenant, le Christ existe toujours. Le Christ existe. Et seulement Jésus-Christ, c'est le seul monde. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, qu'on croit, qu'on pas croit. Le Christ existait. Et c'est le seul monde que le t'a aimé rencontrer dans la ville pour le chita sur même tabavel pour poser la question. Nicolas Sarkozy fait tout le monde saisir. Et Nicolas Sarkozy inscrit tête lui comme un fanatique. Jésus-Christ, qui n'a pas peur pour le dire haut et fort. Mais dans ça, le croit. Oui, mais mon ça. Et ça rappelle un verset Christ dit non. Il dit que tout genou fléchira devant lui. Ah, attention, petit monsieur. Petit monsieur qui a proposé de mettre l'autre Dieu devant non Jésus-Christ. Fais attention là. Mon prophétie sous tête là, papa. Tout genou fléchira devant le Christ. Tout. I don't care où you are. Just pensez à sauver. I don't care. Tout genou a fléchi devant Christ. Ça c'est une. Deuxièmement, Sarkozy bravait l'autre verset ça qui dit que puisque le pas de père pour le témoigner. Non, Christ là devant les hommes, Jésus-Christ ou pas paix pour le citer non Sarkozy dans le ciel là. Maintenant, ça ne veut pas dire, à cause de ça, Sarkozy dit, ah, il parle dans le ciel. Question à le ciel là, nous connaissons comment le fait déjà. C'est confesser ses péchés ou c'est reconnaître le sacrifice ultime de Christ là. Et puis d'accord pour renoncer à tête ou, et puis suivre-le. Christ by deux conditions. Et renoncer à tête ou, et puis suivre-le. Maintenant, avec un observateur capable de dire que Sarkozy est plus près du royaume bon Dieu que jamais. Même Jean-Christ a dit à l'autre là qui était visité là, il dit vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. On sait de l'action qu'on fait, où est le père royaume là. Non, pour que ça me fait tout râler ça avec mal parler ou juste Sarkozy qui Nicolas Sarkozy qui est juste de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien bon, je dis ça parce que bon candidat là qui a couru pour président qui s'est moqué. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est moqué publiquement. Comment le moqué? Well, pendant que l'affaire a lié, ou bien rencontre là, il y a un fanatique ou bien un monde qui t'a suivi à lié, qui campé dans la salle là, qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Jesus is Lord. Et puis, puisque Kamala t'a parlé, il était sous le site de Jean, Kamala pour répondre, monsieur, ça, pour le dire. Ou pas dans place ou là ici avec cause Jesus is Lord ou pas dans place ou là pas une place pour ça là Jesus is Lord. Ah, tout le monde choqué comme nous même haïtiens là nous regardons politique là nous regardons sur seul angle nous regardons sur seulement angle immigration et nous pas arriver là mais qu'on est là question que m'a posé si m'dim c'est chrétien m'dit que Jésus-Christ est le centre de ma vie m'dit que Jésus-Christ placé sous toute bagaille nette qui est sous la vie. Les placer sur tout le monde comme remet, les placer sous tête, tout roi, sous tête, whatever, soya. Li en l'air. Et c'est ça lui-même, li en l'air. Mais si m'admettre ça, comment pour mal voter pour un monde qui pas d'accord avec une place, hein, qui pas d'accord Jésus qui a une place par côté lié. Bon, question pour nous là, guys. Dis-nous ça, c'est audience l'église va approcher dans ça. Audience chrétienne. Qui joue pas voter pour un monde qui pas welcome, qui pas accueilli. Moun nous dit ou quoi là dedans. Il pas accueilli Jésus-Christ. Il dit que c'est pas place ça pour venir parler de Jésus-Christ, Seigneur là. Regardez comment il est hostile à non Jésus-Christ.
Regardez comment il va attendre nos Jésus-Christ à nos oreilles. Mais il y a l'autre agenda que l'a poussé, que d'accord avec, que le remet, etc. Maintenant, ma question pour vous, est-ce qu'on voit la vidéo ça? Si vous voyez, je vais mettre un peu la colère là. Et là, est-ce qu'on se sentira à l'aise qu'il y a là pour voter pour un candidat qui rejetait publiquement le nom de Jésus-Christ? Ah, c'est à vous la question, répondez-moi. Est-ce qu'on est à l'aise pour voter pour un monde qui réprimandait au Lord parce que c'était le nom de Jésus-Christ publiquement? Et il réprimandait, il dit ça, c'est pas place ou là pour venir parler de Jésus-Christ là. Ah, Tesla n'a plus là, qu'on y a, papa. Ballon en pied, ou pas dit c'est Jésus-Christ avant qu'il ait abandonné toute bagarre, c'est Jésus-Christ qui met tout qui, etc. Et pas dit, ou pas dit c'est Jésus-Christ qui ou pas régner devant les hommes. Eh bien, mes candidats régner le nom de Jésus-Christ devant tout le monde, ou même en tant que chrétien, est-ce que vous allez voter pour candidat ça? Ah, une question pour répondre, t'es tout. Non, pour qui ça me dit toute bagarre ça? Est-ce que je l'ai dit, Kamala Harris pas chrétien, Trump sont bons chrétiens liés. Pas des gens qui j'aime d'où on va. Trump pas chrétien, on est clair. Trump pas chrétien. Là, tout le monde qui a fait. Donc, mais tout le monde qui a gardé l'élection, ça, il dit que vous avez deux mâles devant. Vous avez deux mâles devant, vous ne pas parler de pi bon. Qui est-ce qui est pi bon? Bah, qui est-ce qui est pi bon? C'est dans la tête ou lit. Pas des gens qui sont bon là, dans l'élection. Mais il y a des gens qui sont mal, laissez ça dire. Gens qui pi mal en fonction maintenant de qui ça? C'est pas en fonction de caractère personnel de qui mon lié, mais c'est en fonction de qui ça la promouvoir dans la société. En fonction de qui loi passer dans la société. Et en fonction de vous-même qui chrétien, en fonction de ça ou dit ou quoi là dedans. Maintenant, bah yo grave là net tout là. Dernièrement, on tombé sur une vidéo comme ça sur YouTube. On est qui prend cher bon Dieu en dans l'église pour dire mon yo. Nous méchants pile. Si nous avons voté Trump, si nous pas t'a voté Kamala, c'est Trump n'a voté, nous méchants pile. Les Trump voyez nous et en Haïti ça n'a fait, etc. Et puis pour monsieur, monsieur dit question agenda que Kamala pousse, c'est pas un problème, etc. Le baron raison quand même bon, on l'a bouillé quand même. Après nous autres qui sommes chrétiens. Nous compromettre valeur, nous disons que là. Nous compromettre valeur là, hein? Peut-être immigration. Ah, mais lui, eh bien là, au bon là. Nous compromettre valeur là, peut-être immigration. Parce que nous paix. Pour ça, Trump dit comme si que lui capable et voyer mon en Haïti. Nous pas un problème pour nous dire nous pas voter, monsieur. Nous pas voter Kamala parce que Kamala pas dit la voye nous en Haïti. Tandis que tout ça Kamala a promouvoir est totalement opposé à ça ou même ou quoi. Tout ça Kamala a poussé dans la société est totalement opposé à ça ou même ou dit ou quoi chaque dimanche pour parler en peu là. Tout ça, Parti démocrate là dans ce sens ça, ou bien Kamala a poussé, tout ça Kamala a dit est totalement contraire à ce que dit la Bible. Oh, ou dit mon chrétien, ou vient mon dilemme là, capitaine ou là, papa, dans l'élection ça. Maintenant, ma bonne hête, comment on peut approcher le dilemme ça? Mais hête là, t'as bien ça qui passe là. Immigration is the briefing, an analysis of current events from a Christian worldview. My name is Hamlet. Passion, li touche question personnelle, pas nous, individuelle, pas nous. Mais question, femme à femme, garçon à garçon, hein? Question abortion, non? Question reproductive, white clan, ça sont l'autre bagarre encore, nous avons fait un épisode sur lui. C'est tellement de bagarre dans ça, ou reproductive, white clan. En plus, nous n'avons pas même, ouais, qui s'allie, ou bien, prend temps pour nous chercher contre qui s'allie. Question ça, yo concerné directement, yo tombé directement en désaccord avec la Bible. Attendez, immigration, c'est question personnelle, pas ma voix. Si vous voyez nous en Haïti, nous avons géré ça pour ne pas voir nous en Haïti. Mais l'autre là lui-même, tout ça la promouvoir, il tombe directement, ou bien contrairement avec ça la Bible dit. Question pour vous là. Est-ce que vous préférez défendre l'intérêt personnel ou bien défendre l'intérêt la Bible là? Bien défendre l'intérêt ça Jésus-Christ dit. Ou un bon là, il est très facile pour vous là, pour faire choix.
intérêt personnel moi a dit pour me pas voter trop parce que trop pour mettre que le cavo en pile monde en Haïti même si nous connaissons ces blagues fait pays à son pays loi lié par comme ça va yo fait vrai. De l'autre côté madame n'a pas dit la voix monde en Haïti mais elle promet mais le premier agenda que la pousse, tout agenda que la pousse, c'est des agendas totalement contraires à ce que dit la Bible. Totalement aux antipodes de, à ce que ça, dit la Bible. Choix pas maintenant qu'on est là. Est-ce que je fais un choix pour me faire tête belle? Ou bien je fais un choix pour me faire Jésus belle? Ou bien réponse ou bien qu'on est là, ou bien tout bas dans mon dégager, faire choix qu'on est là, et puis l'on finit garder tête dans la glace. Pas vinn prend pause ou vinn jouer monde lorsque au dou metto devant réalité et vinn réaliser son bagaille haïtien pas fait politique haïtien son bagaille qui les vindique qu'elle fait d'ailleurs depuis ou dit mot politique là même dans tête haïtien pense c'est vindique ou dit c'est jouer jouer c'est rancune etc. Les pense ça politique là dit et ça tellement vrai c'est dans élection ça tout nous ouais qui monde qui siéger dans cœur en pile haïtien. Nous voyons qui est-ce qui siège dans le cœur. Nous voyons qui idole que vous gagnez. C'est élection. Seigneur, fais-moi vivre nous quelques bagailles. S'il vous plaît. Merci Seigneur. C'est dans l'élection ça. Nous sommes capables de vraiment des idoles qui cachent dans le cœur haïtien. C'est là pour voir qui ça qui te motive mon œuvre dans la vie, papa. Et pas de question de défendre Jésus-Christ, frère. C'est donc question de démocrates qui sont religieux pour lui. Ou pas qu'à parler démocrate mal. Ou pas qu'à dire démocrate intel et dissident. C'est ça que tu es toujours forteresse. C'est ça que tu es toujours idole là. Mon pas de gens comme ça. Parce que intérêt pas de menacer, intérêt personnel il pas de menacer. Donc, question ontologique, là, si tu as fait philosophie, tu as posé un livre comme ça. Ou bien deux choix là, ou en face un dilemme là, pour vous-même. Pour moi-même, mon dilemme lié, frère. Mais pour vous-même, qui défend à tout bout de champ, que c'est Kamala. Que c'est Kamala, pour même qui est chrétien. Adresse-moi plus précisément à mon qui est chrétien. Question pour là, c'est pour expliquer là, est-ce que intérêt personnel là, lit au-dessus de l'intérêt de la Bible là? Bon hint là. Et m'a fini comme ça. Si nous sommes prêts pour nous compromettre. Si nous prêts pour nous compromettre foi chrétienne nous parce que nous prêts pour pas voyer nous en Haïti m'a demandé lorsque une plus grosse tribulation qui paraît qui ça n'a fait est-ce que nous pas renier le nom de Christ que Seigneur a ban nous force pour nous comprendre dans qui ça ne prend là. Donc guys l'aime t'a pensé sous bail ça parce que moi même regarde sous bail yo pas toujours aller dans sens ouvlé. Et le gamme tout sous baillot va toujours aller dans le sens des amis, moi, mais, hein. C'est pile amis, c'est démocrate, rouge, et ça me peur, c'est que n'est-ce pas un analysis de briefing, an analysis of current events from a Christian worldview. Mais, en même temps, tout vient, ouais, qui niveau de haine qui n'a que les hommes pour tel monde. Tandis que la Bible fait nous comprendre que nous pas de raillir l'autre monde. Au nom de quoi? Qu'on arrive à raillir un candidat jusqu'à ce que si on cite non le devant, ou tu sens tout à prendre, bah, qu'on est. Et colère, ou t'es dans la tête, ou, etc., ou t'as crasé, ou t'as brisé. Au nom de quoi? Parce que on cite un non candidat, ou tellement fâché, ou a fait bouche longue, et puis qu'on y a là, ou raillir ni moun qui cite non, ni moun qui candidat. Est-ce qu'on a de l'amour dans le cœur, vrai? Ah, ça, c'est une question. Ontologique, encore une fois, je retourne dans la philosophie avant. Mais c'est très simple, nous n'avons pas même besoin de la philosophie pour comprendre ça. Il parle de ontologie, bagaille, c'est nature, vraie nature, bagaille là. Hein? C'est vraie nature, bagaille là. Donc, est-ce que vraie nature, vrai? Est-ce que vraie nature, qu'on dure, mais, etc., ou son monde qui remet, ou humble, ou 10 ou date, est-ce que c'est vraie nature, ça, vrai? Lorsque vous citez un candidat qu'on va appuyer, ou fâché, ou mandé bataille, ou juré, ou méprisé, il y a l'autre qui dit sous vote tel candidat, ou 10 ou date, ou idiot, ou 10 ou date. Well, il semble que, soit d'où il y a, et pas soyez, oui. Il y a une différence entre soit pensé et soyez. Là, je pense là, son avion m'a conduit là. Mais ça c'est elle me connaît avec penser ça. Mais pas ça lié vrai.
son machine m'a produit hein, et mon avion lié. Donc, dans l'ontologie de la chose, dans l'ontologie de la chose, un fait est un fait. Il n'y a pas à sortir de là. Soudim, ou c'est chrétien, ou même moun, ou pas raïmoun, ou pas raïmoun dans le cœur, et pour raïmoun au tel point, ou pas cassé dans le devant, well, sans penser, il n'y a pas à sortir vraiment. Guys, nous sommes là. Nous ne pouvons pas faire une vidéo ça trop longue. Nous ne pouvons pas mettre une vidéo ça longtemps, même pas tellement pas de temps là pour ça. Et me senti, ou quoi, ouais, ça tout, c'est dans la va-vite que m'a fait une vidéo ça. Et bien, j'espère que plus ou moins une vidéo ça, touché quelques points essentiels dans la question débat ça qu'a fait là. Et je garantis que nous avons tourné encore sur ça. Parce que nous avons pris un surprise pour nous toucher encore, pour nous mettre toujours. Parce que ça crive là, et une tendance à penser unique qui a développé dans la tête haïtienne surtout, bon, partout dans le monde, mais surtout en Haïti, parce que nous pas jeunes pensées ni à vrai, nous pas un démocrate, jeunes pensées, un démocrate là, vrai. Hein? Nous toujours voulons, c'est pas nous, hein? Et pour nous, elle conseille. Ça fait nous toujours dans l'émotion, et ça fait nous toujours apprendre un faux leader, oui. Parce que leader charismatique qui connaît, eh bien bon, on pas d'accord ouais, bah, avec rationalité, avec aucune logique. Ou d'accord ouais, avec son quoi de tête pour là. Il va marcher comme ça. Sauf que bon Dieu bénit nous, on passe un très bon après-midi ou bien journée salée. Hein? Quant à moi-même, je dis que toute discussion ça qu'on fait là, toute bagaille net qu'on dit là, il soumet en bas seigneurie et autorité de Christ. Et nous-mêmes, nous fléchissons nous devant Seigneur. Et bientôt, tout genou fléchira devant lui. En attendant que ce jour arrive, je vous exhorte à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel. Très facile. Aussi longtemps qu'au sincère, aussi longtemps qu'au sincère, non, ça ne va pas le dire, ou admettre tout son pécheur, ou admettre ou péché, ou admettre ou pas bon devant bon Dieu. Pour qu'il puisse relativiser la question de péché pour ne pas un péché, c'est menti à bas. Ou admettre son péché, ou quoi? Dans seul sauveur, ou pas quoi dans plusieurs bagailles, tout chemin mène à Rome, ça c'est blague à bas. Ou quoi dans seul Jésus-Christ qui est capable de sauver, et confesser son nom comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Mon frère, sous fait décision ça, n'a pas dit bienvenue dans le royaume de Dieu, et n'a pas trois conseils. Lis la Bible chaque jour, la prière chaque jour, et puis. Parler en l'autre monde de Jésus chaque jour. Donc, en attendant qu'on passe une très bonne journée, je vais dire bonsoir. Bonsoir. And this is the briefing. An analysis of current events.